Coucou mes petits hérissons, c'est Soj, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la découverte du gameplay sur Panpan. Panpan, c'est un jeu d'aventure et de puzzle. Vous allez explorer un petit monde qui est fort sympathique, fort joli. C'est un jeu que je voulais vous présenter depuis un petit moment, mais que j'avais oublié son existence. Et vu qu'en ce moment, c'est un peu le désert dans la sortie des jeux qui m'intéressent moi, en tout cas, pour vous présenter, je me suis dit que j'allais revenir sur un jeu qui était sorti depuis un petit moment. Donc le jeu est sorti le 25 août 2016, donc ça fait déjà un petit moment, et il est à 12,99€ sur Steam. Il est traduit en français, donc on va pouvoir voir ça tous ensemble, et pour les non-anglophones, ça va vraiment être sympa. Il est pas trop cher en plus, 12,99€, donc voilà. Petite info avant que je lance la partie, bah, je vais la lancer en même temps que je dis l'info, hein. Nouvelle partie, bah tiens, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Petite info, si jamais le jeu, le type de gameplay vous plaît au bout de un quart d'heure, par exemple un quart d'heure, 20 minutes, n'hésitez pas à vous arrêter avant la fin de la vidéo, car c'est un jeu d'énigmes, comme je l'ai dit, et enfin de puzzle, mais énigmes c'est pareil. Et du coup, vous allez devoir, comment dire, bah, les énigmes seront les mêmes que vous lancez une nouvelle partie ou pas. Enfin, je pense en tout cas. Donc, on était dans une sorte de montgolfière, je dirais, et no ou peut-être un vaisseau spatial, bonne question, et on vient de s'écraser. Donc, voici, je pense, le personnage qu'on va contrôler. Et du coup, c'est parti. Ok, c'est évanoui. Enfin, je pense que c'est une femme. Et là, on vient de se réveiller sur un sorte de matelas bizarre. Et, ah, notre vaisseau a disparu. Donc c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, d'accord. Ça, on peut bouger la caméra avec le clic en restant appuyé sur le clic droite de la souris. Et ah d'accord, se déplacer c'est clic gauche. Flèche directionnelle, non, on peut pas se déplacer. Et d'accord, les flèches de droite et de gauche vous permettent de déplacer la caméra de façon rotative, et les flèches de haut et droit, enfin haut et bas, vous permettent de zoomer ou dézoomer. Donc là il y a des monsieur qui cherche des trucs, et là il y a quelque chose qui vient d'atterrir. On va aller voir ce que c'est, et on va aller parler au monsieur. Ah non, j'avais pas encore le contrôle. Ok, allez, hop. C'est quoi ça? Sauvegarder. On va sauvegarder. Continuer. Qu'est-ce qu'il nous dit le puppy? Pip-pip. D'accord. Ça, ça doit aller là. Ok. En plus, il y a le câblage. Et lui a un truc, ok. Lui, d'accord. Faut que ça aille sur le truc jaune. Et puis je présume que l'autre, faut que ça aille sur le truc violet. On va lui parler pour être sûr. Donc il nous faut ça. Il faudra que ça aille sur le truc violet. Oups. Ok. Donc c'est ça. J'avais raison. Donc du coup, on va continuer d'explorer un peu. Là, il y a un portail. Ah, je peux cliquer sur ça. Ça va dedans? Ouais, c'est ça. Et ça ouvre un portail. Ok. Donc, on a résolu. Est-ce qu'on peut l'enlever? Ouais, bien entendu. Ça enlève, ça referme le portail. Pas être pratique. Donc, il y a quelque chose par là. Est-ce qu'on peut monter? Non. Et il y a un mec qui nage ou je sais pas c'est quoi. Ah, et c'est quoi ça? Ah mince alors. Bon, bah je ne sais pas. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Attends, il y a un chemin. Ah d'accord, faut passer devant les bonhommes qui ont les yeux ouverts. Ok. Lui, il a pas les yeux ouverts. Lui, il a les yeux ouverts. Lui aussi. Non, pas lui. Donc eux, ils ont pas les yeux ouverts. Ah bah, il y en avait un là-bas. J'espère que c'est bon. Non. Pourquoi ça a pas marché? Peut-être quelque chose que j'aurais loupé. On va réessayer.
Donc là, lui, il a bien les yeux ouverts, on est d'accord. Lui, il a... Ah oui, mais j'ai dû passer là, d'accord. Donc lui, il a les yeux ouverts. Faut passer là. Et là... Yes! Ça marche! La porte qui s'ouvre. Donc on a résolu, on va dire, entre guillemets, notre deuxième énigme, si on considère que la porte était déjà une première énigme. C'est quoi ça? Ça va là-dedans? Ou à moins que... Ok. Il nous faut un deuxième truc comme ça. Et comment qu'on récupère? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut... On peut peut-être aller explorer par là-bas. Non, on peut pas monter... On peut pas passer par là non plus. Là, ça ne marche pas. Peut-être qu'on peut envoyer la machine de l'autre côté. Ok, ça ne veut pas marcher. Bon. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. On va continuer à explorer du coup. Ah tiens, regardez, il y a un chemin par là. Et on tombe sur du désert. Là, il y a quelque chose. Où il y a une sorte de temple par ici. On va continuer à monter. Hein. On va bien voir. On peut accéder au petit temple. Et là, il y a un point de sauvegarde. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ça envoie du courant je sais pas où. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder au cas où. On a résolu déjà notre première énigme. Sauvegarder. C'est parti. Est-ce que... Si on va là, ça fait quelque chose? Non. Et non. Ça me dit, va te... Ah, je ne peux pas y aller... Ah ouais, bah, je ne sais pas. Bon, on va passer par là. Ah, j'ai pas de... D'accord, le... Comment dire? Le pont n'est pas construit. Ah, et à chaque fois, j'applique à côté de mon écran. Donc là, il y a quelque chose. On va aller bien voir. Ah, pourquoi je veux pas le reposer? Ok. On sauvegarde, mais je suis pas sûr de l'utilité en fait de la sauvegarde. Bon. Ça, je sais pas à quoi ça sert du coup. Là, il y a un passage par là-bas, mais je ne sais pas comment l'ouvrir non plus. Là, on peut rien faire par ici. Ah, et là, il y a quelque chose à casser, mais comment? Et en plus, je crois qu'il a un composant qui nous intéresse. Attendez, on va récupérer ça. Là, il y a quelque chose à récupérer en haut. Si ça se trouve, ça peut être intéressant. Ah oui, d'accord, je suis pas assez haut pour le récupérer. Il nous faudra un sort de bâton. Bah tiens, il y a un chemin par là. On va aller. Point de sauvegarde. Encore un pont infranchissable. Et on peut descendre. Ah,
Allez. Ouais, je m'en doutais que c'était ça. Allez, allez. On va plus vite que lui. Mais par contre, je comprends pas comment... Je comprends pas comment la voir. Ça m'énerve. Ok. Allez, pose-le. Il y a bien quelque chose à faire pour qui... Peut-être qu'il faut qu'on ait... C'est peut-être pas la bonne solution. Elle vient par la tour. Allez, pose-le là. Peut-être qu'il faut que je me dépêche plus, je sais pas. Là, j'étais en train de me dire mais merde. Ok. Et lui, il pose où là, celui-là? Ok, si je les pose là, celui-là là-bas, eh mais celui-là en fait, faut pas que je le pose là-bas. Celui-là, on va le poser là-bas. À l'autre bout, comme ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il passe tout le temps les mêmes œufs aux mêmes endroits. Allez, on va y arriver. J'ai confiance. Par contre, je comprends pas pourquoi il me fait chier, il va pas chercher l'autre quoi. Ouais, ça me pose un problème. Bon, on va continuer à explorer. On reviendra plus tard. Est-ce que ça reset? Bah, à chaque fois qu'on revient, ça... Il recommence. Oh non, mais... Mais c'est pas possible.
peut-être quelque chose à faire hein, pour que ça l'endort, je ne sais pas. Allez, allez, allez. Ouais non, il prend du coup. En gros, il me dit va te faire foutre quoi. Est-ce que faudrait est-ce que par hasard faudrait pas faire le truc des trois? Mais si seulement Jean-Claude il pourrait arrêter. On va essayer, bon, on va se placer là. Bon ouais, ça, je veux pas vous mentir, ça me saoule. Je vais faire autre chose. On va pas rester pendant 7 ans par ici. Surtout qu'il veut pas me... Ah bon sang, en plus je viens de... Je clique à côté. Bon sang. Bon sang, on peut rien faire. On peut prendre ça. Ok. Et là... Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, il faut quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais il faut quelque chose. Et on peut descendre par ici. Ok. Ok, nouveau truc. Le cube jaune apporte de l'énergie. Mais il peut pas passer. Est-ce que... D'accord. Faut aller chercher la batterie qu'il y a là. Je présume que la batterie se pose là. Que ça, on récupère... Ça, c'est pas très compliqué. C'est moins compliqué que tout à l'heure. Parce que ces trucs-là... Et d'accord. Et le courant se relie au niveau de la porte. Là, si on prend ça, on en a pas besoin. Si on la pose là, c'est bon. Si on récupère ça, ça fait quoi? Ça fait que la porte reste pas fermée parce qu'il y a ça qui empêche la porte de se verrouiller. Ok. Là, il nous faut une batterie. On va aller récupérer celle-là. Au cas où qu'on a besoin de sortir, on va aller la poser ici même. Et avant de faire des conneries, on va aller sauvegarder. Parce que moi je vois bien le truc gros comme une maison que je vais faire une connerie. Et là-bas il y a quelque chose là. C'est quoi ça? D'accord. Ouais. Comment qu'on fait? Bonne question. C'est quoi qui est en vigueur pour tenir ça? Pour tenir compte de ça? Ah, peut-être... Peut-être celui-là? En fait, je vois pas trop. Trois, deux. Et les trois vont là. D'accord, j'allais dire 3, 2, 1, mais...
Et là, du coup... Et comment tu fais pour trouver? Est-ce que le 3 irait pas là? Ah, ça se trouve, faut qu'on fasse la somme de 3 parce qu'il y a 3 pics là. Ou je me suis complètement trompé et... Ok. Non, c'est pas ça. Il y a une batterie là à mettre. On va aller la prendre et puis on va ouvrir la porte. On va peut-être en apprendre un peu plus par ici. D'accord, il y a quelque chose par là. Attendez, regardez. D'accord. 3, 2, 3, 2, 3. Ok, d'accord. Ah bah oui, si forcément je fais pas les choses bien. 3. Ça va faire quoi? Ça va faire 3, 2. Ok. Ok. Ah yes, on a réussi les gars. Tant mieux. Petite batterie des familles. Là du coup, on va pouvoir mettre ça ici. Ah bon sang, et je viens de recliquer encore. J'arrête pas de cliquer à côté de mon écran, j'espère que ça se voit pas trop chez vous. Ok, ok. On va se retrouver là. Nickel. Donc, il nous manque deux batteries plus... Non. Voilà. Voilà. Et plus que le générateur. Et ce sera bon. Hop, excusez-moi, j'étais en train de me gratter le bras. Je pense que vous en contre-fichez. Ok, hop. Et la dernière batterie. Qu'est-ce que ça va faire? Il y a du courant qui va dans un cristaux, qui va dans une sorte de cube avec des bras et des mains. C'est un robot, c'est... Ouais, ça doit être un robot. Oh, il y a des copains lui qui sont cassés. Et là, il est en train de creuser. On va continuer à explorer. Ah, il nous faut le cube par là. Ok, bon, on va retourner ici. On va récupérer le cube. Lui, il est en train de creuser pépère tranquillou. Je sais pas si faut faire un certain nombre d'actions pour qu'il avance ou si bien il avance tout seul avec le temps. Allez, hop. Cours, petite, cours. Tu arriveras peut-être à faire quelque chose. Yes! On a débloqué un pont. On a débloqué une machine bizarre qui creuse. Et on a verrouillé un pont. C'est déjà bien. Il n'y a pas de minimap. En gros, c'est explore un peu à la voile again. Okay. Tiens, on avait pas été exploré par là. Je sais pas ce qu'il nous faut. Ok,
Ok, il y a quelque chose là à casser. Ok, ok. Bon, je comprends pas tout. Je vais pas vous mentir. On va sauvegarder parce qu'avec ce qu'on a fait, c'est plutôt cool. Continuer. Est-ce qu'on peut monter dans le sort de chariot? Non. Ah, il est en train de creuser vers ici, d'accord. Des symboles. Il y a un truc bizarre. Tac, tac, tac. Ok. Donc lui, d'accord. Je pense que chaque petit objet doit aller à sa place. Devrait aller là. Ça. Ça va aller là. Ça. Ça va aller là. Et ça. Ça va aller là. Non, c'est pas ça. Marche pas non plus. Il y a quelque chose que je comprends pas. Triangle rond et sablier. Par où passer? Est-ce qu'on peut cliquer dessus? Non. J'essaie de comprendre un peu le système, mais... Le truc du sablier, je le capte pas là. Là il y a des trucs, mais comment passer, c'est ça le truc. Il n'y a pas tant d'énigmes que ça, donc ça devrait être assez simple quand même. Si on place ça là et ça ici. Oh, il me dit toujours va te faire foutre. Hein. Je comprends. Il y a un truc que je comprends pas. On va essayer ça. Ok. Ça a marché, mais pourquoi? J'ai pas compris là. Quoi ça? Non, je peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser. Ah non, d'accord. Ah d'accord, je viens de comprendre.
Allez, venez. C'est là-dedans qu'il faut qu'elle aille. Ouais, c'est ça. J'ai de capter. Ok. Allez, allez, allez. Fiu, fiu. Allez, encore deux. Yes! Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Une batterie? Ah non. On a eu un nouveau truc. C'est quoi? C'est un ascenseur? C'est quoi ça? On peut porter ça. Et j'avais vu un truc, un plus par là. Ah voilà, il était pas en bas, ouais, s'il était en bas. Et je ne peux pas monter. Ok, tant pis. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ce serait pas le robot qui a réussi à percer? Ah si, c'est ça. Et il continue son chemin. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas passer par là avec la pile? Je crois pas, hein. Je ne crois pas, je ne pense pas. Je ne crois pas, je ne pense pas. Je vais vérifier. Toc, toc, toc. Autrement, ça nous fera du chemin. Bah, si on peut. Si, 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 on peut. On va pouvoir le faire. Yes! Ça va nous mettre un peu de temps. Ah, quelque chose qui est sympa, c'est que je peux vraiment bouger dans tous les sens. Bon, ça va nous mettre un peu de temps, mais je pense qu'on va débloquer ça du coup. Allez, on retourne. Allez, hop. Hop. Ah, et encore, j'ai encore cliqué à côté. Mince! Ok, donc là on est bien, on est bien, on est bien. On va débloquer un truc. On va trimballer ça. Ok, allez. Ça c'est cool qu'on puisse passer. Ok, là c'est bon. Et on va pouvoir mettre... Non, pas ça. Récupère-le. Yes! Et on a débloqué un bâton. Ouais. Allez, récupère-le. Ça sert à quoi le bâton? C'est un bâton au moins? Ah, j'avais pas quelque chose par là-bas? Non, c'est pas là-bas. Il y avait quelque chose, je ne sais plus où. Allez, viens par là, toi. Est-ce que j'avais exploré par là? On va y retourner, mais je crois pas que j'avais été par là en plus. Toc, toc, toc. Si j'avais été par là-bas. C'est pas par là pour le moment. On a un bâton. Est-ce que le bâton ne servirait pas à taper sur le... notre très cher ami? Et le bâton, tiens. Yes, on a réussi. On va lui parler. Ok, qu'est-ce qu'il va nous dire?
Oh, il nous le donne. Et qu'est-ce que t'es gentil. Oh. D'accord. Ok, d'accord. Maintenant, on a ça. Est-ce que ça nous servirait pas à transporter de l'énergie? J'ai vu que par ici, on pouvait marcher sur ça. Non. Là non plus. Pas de graines non plus par ici. Yes. D'accord. On a des... Ou à moins que ça nous sert à transporter les... comment dire, les fioles d'énergie. Peut-être que ça doit être ça. Je ne sais plus si... Je ne sais plus de quel côté c'était. Donc c'est pas de ce côté-là. Peut-être que c'était par là-bas. Okay, là il est en train de transporter le machin. Ah non, et si je clique pas sur le bon truc, ça risque pas de le faire. Donc on a chopé un bâton, un petit bâton. Et c'est pas par là-bas. Ok, ok. On a chopé une nouvelle arme. Encore une nouvelle truc. Allez. Allez. Encore. Je sais pas combien il y en a, mais... Bon. Donc on va continuer. Il me semble que j'avais vu quelque chose par là-bas. Est-ce que je peux casser ça du coup? Je peux pas casser ça. Ah, peut-être que je peux taper sur l'arbre maintenant. Et je peux peut-être récupérer la banane. Enfin, la pomme. Ça ressemble plutôt à une pomme qu'une banane. Parce que je suis en train de manger en même temps de la banane, c'est pour ça. Non, ça ne marche pas. On va aller là-bas. Je sais plus c'est par où que c'était exactement. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Ah voilà, ce serait pas ça. Yes, ça marche. Ok. D'accord, on a réussi à faire ça. Et ça, ça va se transporter du coup. Yes, on a réussi à trouver un nouveau secret. Tant mieux, tant mieux. Et qu'est-ce qu'on va trouver dedans? C'est ça le truc. Ah, yes. Le truc qui nous manquait. D'accord, bon, on va en profiter pour écraser ça. Prendre ça. Allez. Et le transporter. C'était à la zone de départ. Vers la zone de départ plutôt. Ok, ok. Donc ça c'est cool. On a trouvé deux objets du coup. Une fiole qui transporte l'énergie. Hein, et du coup... bah ça. Et qu'est-ce qu'on va avoir avec le nous là-bas? Ça me fait délirer ce petit machin là. Ok. Allez, par là-bas. Par là-bas. Ok, mais pourquoi t'es obligé d'aller aussi loin?
Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ok, on a chopé quelque chose. Et à quoi ça sert? C'est ça la question. C'est un truc de X. Est-ce que... Non. Est-ce que ce serait par là-bas qui... par hasard, un des trucs qu'il nous faut? Ok. Donc l'autre robot, il a réussi à creuser jusqu'ici. Comment que je fais pour le poser déjà? Ok. Là, normalement, si je mets de l'énergie, piouf. Ok, d'accord, ça a tout pris. Et c'est pas encore rechargé. D'accord, il nous manque de l'énergie. Bon, on va aller la récupérer. Et je présume que le robot, il a terminé de creuser. Je pense qu'il nous manque de l'énergie. Hein. Ok. Et peut-être qu'ils vont m'apporter des nouvelles connaissances, des nouvelles... Peut-être qu'avec ça, je pourrais faire d'autres trucs. Ah, voyez, c'est bon, ça a marché. Donc j'ai un truc qui est bon. Bon, d'accord, j'ai réussi un truc. Un truc sur plusieurs. Mais du coup... d'accord. Ah d'accord, et il nous manque... En fait c'est le robot qui a fait de la merde, il a creusé. Mais comment que ça se fait qu'il... Ah il a dû creuser là et tomber, je ne sais pas. Et du coup ça là, c'est un truc X et ça va là-bas. Ça va être ça. Tout se rejoint. Ah non, il est arrivé là, il est tombé en fait. D'accord. Passage secret? Ah, je vois bien ça comme un passage secret. Ok, donc la barre là, on pourra y aller aussi. Hein? Un truc qui est vraiment... Ouais, vous voyez, on peut zoomer vraiment partout. Et on arrive dans un nouveau terrain inconnu. D'accord. Petite grotte. Petite grotte bizarre. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, un autre vaisseau bizarre. Je pense qu'il faut le trimballer par là-bas. Par ici? Il y a quelque chose que... Ah! Si, d'accord. Ça s'en va. Ça s'en va, ça s'en va. Mais où que ça s'en va, c'est ça le truc. Eh ouais. Mais reviens. Par ici, il n'y a rien d'autre à récupérer. Non. Ok, d'accord. Donc on n'est pas les premiers voyageurs à atterrir ici, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est plutôt intéressant. Allez, on continue notre chemin, notre péripétie, un peu dans cet univers bizarre. Eh mais, d'accord, il est arrivé par là-bas, mais... Et... Bon, comment qu'on le fait tourner, c'est ça le truc. C'est... Je comprends pas comment le faire tourner.
On a fait atterrir un truc de l'autre côté là-bas. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que c'est au niveau du... Maintenant, du... Comment ça s'appelle du canard, là, sacré. Qu'il faut aller. Mais comment passer le canard? Le sort de canard, en tout cas. Je sais pas si c'en est vraiment un, mais... Comment le passer? C'est ça, la question. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas capté. Ah, c'est ça. Voilà, on va faire ça. On va le poser. On va lui redonner un coup de masse. Pof. On va aller poser ça là. Un autre coup de masse. C'est méchant. On est en train de taper un canard innocent qui veut juste protéger ses œufs. Et voilà. On a réussi. La musique me fait délirer, mais c'est pas possible. On va en profiter pour activer ça au cas où. Ça, c'est bon, je m'en doutais. Yes! On a réussi. Ouh, c'est quoi ça? C'est une sorte de grenouille? Ok, on va marcher dessus au cas où. Pour passer du coup. Ah! Est-ce qu'il nous faudrait... Bonne question. Ça déjà, je sais même pas comment le... J'ai pris ça, mais je suis même pas sûr que ce soit ça. Donc, ah, peut-être qu'il faut de l'eau dedans. Attendez, peut-être qu'il faut le remplir avec l'eau qu'il y a à la fontaine là-bas. On va essayer. C'est peut-être pas bête, mon idée. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut le remplir. Et je pense que si on va donner de la flotte à l'autre, là, on le pose. Ah merde, je me suis loupé, je pense. Je pense que c'est ça, c'est un truc du genre comme ça. On va faire un aller-retour, du coup, on va bien voir. Allez, on y retourne. Toc. Mince. J'ai encore cliqué à côté. Ah, mince. J'ai encore cliqué deux fois de suite à côté. Et c'est une catastrophe. Je fais pas attention que je pose ma souris et du coup, c'est une catastrophe. Non? Pourquoi ça ne marche pas? En fait, ah, regardez, c'est des bonnes, des pommes qu'il veut. C'est des pommes qu'il veut, d'accord. Ça, je pense. Hein, regardez, il y a des pommes à côté de lui. Mais comment qu'on récupère la pomme du coup?
C'est ça la question. Peut-être qu'il faut aller... d'accord, j'ai peut-être une idée. Non. Redescends. Tac. Peut-être qu'il faut monter là-haut et balancer de la flotte. J'espère que ça va être ça. Ouais, c'était ça. Et là, elle va pousser. Pof. Non, ça casse pas. Allez, donner un petit coup dessus. Ok, on a réussi, trop bien. Mais enlève, arrête. Fallait juste cogiter un peu, faut vraiment faire gaffe au décor, c'est hallucinant. C'est... ouais, pas mal. Pour l'instant, les énigmes, bon, fallait cogiter un peu quand même. J'ai un peu eu du mal avec le petit canard, mais au final, tout s'enchaîne vraiment bien. Et là, du coup, faut poser la pomme ici. Comme ça, il va dire, oh, une pomme, faut que je sorte de mon trou. Ah non, en fait, faut que je rentre dans mon trou. C'est pas tout à fait pareil. Ça, je sais pas pourquoi je sens que c'est des ennemis. Non, ça va, c'est pas des ennemis. C'est pas des ennemis. Mais du coup, faut faire quoi? Faut... ah, d'accord. Faut leur faire peur. Allez, va là-bas. Yes! Voilà, c'était vraiment assez simple. Là, c'était assez simple. Par contre, là... ok. Faut faire quoi? Ah non. D'accord. Ok, faut faire attention en fait. Comment... ah oui, non, d'accord. Là, c'est bon. Ouh, j'ai eu de la chance. Eh merde, je me suis fait avoir. Elle est là. Ah, je me suis fait avoir aussi. Je pense qu'il faut que je zoome plus. Ok. Là, on va aller là. Ah, bon sang, c'était pas par là. Ok. On va y arriver, hein. Si vous me faites confiance, on va y arriver. Ok. Attendez. Là, ça me fait descendre.
Et ici, ça me fait aller là, d'accord. Ça va à l'inverse de moi. Si je monte, il descend. Ok. Yes. Ouais. Nickel, on a réussi. C'était pas si compliqué que ça. Ok, il s'enfuit. Et ouais, je pensais, j'espérais plutôt que si j'appuyais sur les trucs ronds, ça allait pas recommettre à tout à zéro. Ok, donc on est dans un nouveau type de biome, on va dire. Donc là, il y a une fouette. Et là, il y a la cabane du monsieur, je pense. Ok, allez, récupère-moi ça. Je présume qu'il faut aller du coup par là pour le moment. Et ça ne marche pas. Ok, quelque chose à faire. Mais je comprends pas en fait. Je comprends pas ce qu'il y a à faire. Du coup, ici, ça me paraît pas logique. Ah, il est dans. D'accord, il se camouflait en buisson. Ah ouais, astucieux. Là, ils doivent dire ouais, bravo à toi, tu as réussi. Et du coup, je te donne oh, un jackpot. Eh, mais on va pouvoir traverser, je pense. Est-ce qu'on peut traverser quand il y a juste une case de séparer? Yes, c'est cool. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a fait comme connerie encore? Putain, Soy, mais qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Ou c'est bon. Mais non, il revient. Prends-le. Prends-le. Allez. Ouais, c'est bien, Soy. Allez, hop. Tu te diriges vers la sortie. Et là, est-ce que... Non. D'accord, mais par contre, tu auras peut-être un truc à faire par là-bas. Je pense qu'avec le jackpot, on peut y aller. Et ici, ça doit être le deuxième truc. On va aller, on va voir. Allez, Roberto. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Yes! Et on va lui parler. Non? Il veut pas m'ouvrir le truc? Ok. Donc il nous manque encore des trucs. Du coup, on peut passer par ici. Normalement. Piouf! Yes! Ok, là il y a une sortie par là. Bah, c'est la sortie d'où, en fait, d'où j'étais. Ah d'accord, c'est le sens où le machin va aller en fait. Et ici, faut qu'il reste comme ça. Si je me trompe pas, on va cliquer, on va bien voir. Si je me trompe pas, regardez, ça, ça va là, et ça... Ah mais du coup, je me suis peut-être planté. Ok, c'est l'inverse. Bon, en fait, j'ai pas réussi là. Ok,
Ok, donc c'est pas ça. Allez, Roberta, faut que tu remontes. En fait, j'avais pas fait attention à comment c'était du coup dès le départ. Et du coup, bah, je suis un peu emmerdé. Je vais devoir faire, je pense, plusieurs allers-retours pour capter comment ça marche. Donc là. Ah yes! Me dis pas que j'ai le pont. Oh yes! On a réussi, les copains! Maintenant, si je capte bien, faut que je prenne ça, que je l'emmène là, et que je me casse avec. Du coup, on a résolu la deuxième énigme, mais la deuxième énigme me dit... bah, te faire foutre, c'est pas ça qu'on veut. Donc ça, ça va servir pour aller où? Telle est la question. Car je ne sais plus où j'ai exploré ou non. Par là-bas, c'est clean. Par là-bas, je crois que c'était clean aussi. Ah, peut-être pas. Peut-être que j'avais... Peut-être que c'est là le problème. On va bien voir, on va explorer un peu tout ça. Pour moi, c'est pas par là-bas. Hein. Déjà, c'est quasi sûr et certain. Et c'est certain. Mais où qu'on aurait pu oublier quelque chose. Ça ne coûte rien de faire un petit aller-retour. Même si là, du coup, pour le moment, je ne vois pas où aller. Là, on peut pas y aller, on peut pas descendre, c'est vrai. Ah merde alors! On va pas être bloqué à cause de ça quand même. Ce serait con. Ce serait con. Et en plus, je vois pas à quoi ça pourrait servir, ça. Peut-être par là. J'ai oublié d'y retourner, donc ça se trouve, c'est peut-être par là. Mais ouais... On va aller par là-bas, on va bien voir. Non, c'est pas par ici. Eh ben alors. Eh ben alors, mince alors. Par là-bas non plus. Shit. Bah bon sang. Par où aller? Non, là il veut pas que je fasse ça. Ça doit bien servir à quelque chose, hein, si on l'a. Mais non, mais ça doit aller là. Je suis bête. Bah voilà.
Ok, donc ça a fourni de la flotte au vaisseau. Il nous manque deux pièces. Et il y a un truc qui me pose le doute. C'est, est-ce que je pourrais pas récupérer ça? Non. Non, non, non. Ça, du coup, on peut le récupérer. Mais où aller maintenant? Alors ça, on peut le poster. Mais ces deux trucs-là, on les trouve où? Parce qu'à un moment, t'es bien marrant, mais est-ce qu'on peut monter tout en haut? C'est pas la solution, c'est pas ça encore. Je me demande où c'est qu'on aurait pu oublier d'aller. Tac tac tac. Non. Peut-être par là-bas, maintenant qu'on a le jetpack. Peut-être qu'on a oublié de faire quelque chose. Peut-être qu'on peut monter quelque part et j'y ai pas pensé. Eh bien, il y avait quelque chose à faire. Quoi? Je sais pas encore. Mais il y a quelque chose à faire, ça, j'en suis sûr et certain. Ok, lui, il est content de me voir, mais il me dit pas plus. Il m'en dit pas plus, plutôt. Peut-être qu'il faut aller récupérer... Mais non, la batterie, on l'aurait vu. C'est pas par là non plus. Je réexplore tout, hein, au cas où. Au cas où que j'aurais loupé quelque chose. Ouais, bah là, je ne vois pas. Tac, tac, tac. Ça, on peut pas y aller, je présume, ouais. Bonne question. Il nous manque deux trucs. Deux trucs dont je ne sais pas comment avoir. Ça, c'est problématique. C'est grave problématique. Parce que là, ça, là, comment qu'on pourrait faire pour le faire revenir? Tiens, j'ai bien une idée. On va le faire passer par là. On va le faire passer par là, ça. Je vois que... Là... Ah bah non. Bah si, on n'a pas le choix. Ça, ok. Ça, on le prend. On prend une batterie. Allez. Regardez, on va aller là-bas. On va aller poser ça là. Voilà, j'ai trouvé. Et par contre, c'est l'autre objet. J'ai un doute dans le sens où ça pourrait être une carafe. Une carafe d'eau, peut-être. Plantée avec, avec mon bâton. Je vois que ça. Parce que là, sinon... Je sais pas, je trouve pas la carte. On a tout exploré, j'ai l'impression en tout cas. Bah non, c'est pas possible. Ah merde, c'est pas possible. Du coup, par où passer? Parce que là, le pont, c'est pas possible. Le pont, ce n'est pas possible par ici, peut-être que par là. Vu qu'il a ouvert un chemin. Je me pose une question. Question bête, mais je me pose une question.
Est-ce que par hasard... Est-ce que par hasard on pourrait péter les batteries et les mettre ici? C'est ça ma question. Est-ce que c'est possible de prendre une batterie qui est là et de les mettre dans un petit chariot et voir si ça marche? Je veux essayer. Je me dis que c'est peut-être possible. Non, ça va pas le faire. Ok, tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, bah là, du coup, c'est comment faire revenir cette petite truc par chez moi. C'est ça la question. Comment faire pour la faire revenir par chez moi? Sachant que... Eh ben, je ne peux pas, pour le moment. Il n'y a qu'un endroit que j'ai pas réexploré. C'est le sort de temple. Le templinet. On va l'explorer vite fait. Passer par là comme ça. Attendez, j'ai une idée. Allez, dépêche-toi, passe. Yes, ça a marché. J'en étais sûr. Enfin, j'en étais sûr. Je me suis douté qu'on pouvait récupérer quelque chose sur lui. Je suis désolé, ce petit poisson. C'est méchant. Je sais que c'est méchant. Ah mince. Ah, je suis trop fort. Je suis trop fort. Ok, allez. Voilà. Là, si on descend. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va tourner la truc? Piouf. Ça me fait délirer. Genre, elle a un jackpack. Par contre, j'aurais pu appuyer là, ça aurait été plus rapide. Mais non, et par contre, tu veux pas le... Tu veux pas te bouger là? C'est quoi ces délires? Ça veut dire que je suis obligé de tout remonter. Oh, le temps que je perds! Ok. Est-ce que du coup c'est possible par là? On va appuyer directement là, hein, on va pas perdre de temps. Pouf. Yes. Ah yes. Mais pourquoi tu... Va le récupérer. Ok, nickel. Nickel, nickel. Et du coup, la batterie... par contre,
Je ne vois pas comment la récupérer. Il y a sûrement un moyen très très simple que je ne vois pas. Peut-être qu'il faut taper là. Non. Toc 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 toc. Comment qu'on récupère le générateur? C'est celui-là, il y a forcément. Il n'y a pas d'autre choix, c'est forcément celui-là. Mais comment le récupérer si par là-bas c'est pas possible? Par là-bas, c'est pas possible, donc c'est forcément par ici. Et le problème, c'est qu'il ne veut pas. Ah si, le pont est resté activé. Oh le boulet. Bah d'accord. En fait, c'était super simple. Ok, donc on va voir si c'est la fin du jeu ou pas. Comme ça, bah vous saurez que par exemple en 1h15, bah, ce petit jeu-là peut être terminé. Donc ce sera peut-être pas forcément intéressant pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Mais bon, sinon. Sinon, bah, du coup, on aura découvert ça, ce petit jeu, pour ceux qui ont regardé, jusqu'à la fin, tous ensemble. J'aimerais bien quand même qu'on parte sur un autre endroit. Je vais pas vous mentir, ça aurait été intéressant. Yes! Du coup, on a réparé notre soucoupe. Les montes. C'est bon. On décolle. C'est parti. Ok. Et c'est reparti les copains. Ah, j'ai l'impression que non. Merci de jouer. Ah non, me dis pas que c'était si c'est vraiment la fin du jeu. Ah bah si, si si, c'est la fin du jeu. Donc ouais, en 1h20, 1h20, 1h30, je pense que ça peut être terminé. C'est un petit jeu, mais du coup pour 12€, pour 13€. 1h30 de jeu, même si le jeu est sympa, bah ça fait mal de donner 13€ pour juste 1h30 quoi. Je pense qu'il faudrait que vous attendiez 5-6€, ça suffit largement quoi. En plus pas de dialogue, donc bon, c'est pas très. Je pense pas qu'ils se sont foulés. Enfin, après je sais pas. Je dis pas ça péjorativement méchamment parce que. Et avec le pansement. Excellent avec les petits œufs qui ont éclos. Mais le jeu est vraiment sympa. La patte graphique est vraiment vraiment cool aussi. Je suis déçu du sens dans le sens où que ben, ça n'a pas été plus haut quoi. Ah, c'était lui le propriétaire du vaisseau. Ok, d'accord. C'est pour ça en fait il vivait en ermite dans la forêt. The end. Et bah ce fut très rapide. Très très rapide comme jeu. Même s'il était super sympa, je me suis bien marré à le faire. Hein. Mais ouais, 13€, ça fait mal quoi. Ouais, ça fait mal. Bon bah tant pis. Bon. Mais si jamais. Je vais mettre une petite note quand même au cas où dans la vidéo, au début de vidéo, que le jeu dure que 1h20 et que du coup j'ai fait toute la présentation pendant cette vidéo. Petite note au cas où si vous regardez jusqu'au bout, mercredi, bah, ce mercredi là, donc ce sera le 22, je ferai un live sur le Oxygen Not Included.
Et je présenterai la mise à jour qui aura lieu du coup le mercredi. La mise à jour, il y aura plein de nouveaux contenus, nouveaux biomes, nouveaux comment dire, bâtiments, donc nouvelles tenues aussi. Donc plein de trucs à voir, plein de trucs intéressants, je pense. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, même si c'est que 5-10 minutes. Ça me fera plaisir de vous voir sur YouTube en live et de discuter peut-être avec vous. Allez, bye bye, et puis merci d'avoir regardé la vidéo.